Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 23 ans et je suis en Master 2 Management et Développement Durable à l'ESC Business School de Lyon. J'ai choisi de rejoindre l'ESC Business School suite à un Master 2 en chimie verte à l'Université de Strasbourg. En fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était plus le côté environnement plutôt que le côté chimie. Je me suis dit pourquoi pas avoir des compétences supplémentaires, que ce soit en management, en gestion de projet ou même autre, mais toujours en lien avec le développement durable. Et j'ai aussi choisi cette école pour pouvoir faire mon année en alternance. Je suis donc en alternance au sein de la Banque de la Transition Énergétique. Donc c'est la Banque Populaire qui a créé cette marque en septembre 2020. Donc le principe, c'est de récolter de l'épargne qui va être verte et traçable et qui va être 100% dédiée pour financer des projets dans la transition énergétique. Et en plus de ça, on va apporter une expertise technique sur les projets, que ce soit par l'équipe ou par les partenaires. Donc moi, au sein de l'équipe, je suis chargée de développement. Donc j'ai plusieurs missions. J'ai une première mission de communication où je travaille beaucoup justement avec l'équipe de communication sur le site internet, sur les réseaux sociaux ou sur des supports papier. J'ai une deuxième mission qui est de suivre les partenariats qui sont en cours et de mettre en place des nouveaux partenariats. Ensuite, j'ai d'autres petites missions, que ce soit de la veille technique sur des sujets en rapport avec le développement durable ou être présent à des salons pour représenter la banque. Et sinon, j'aide ma tutrice sur différents petits sujets qu'elle peut avoir. Ce qui me plaît le plus dans ce que je fais au niveau de mon alternance, c'est justement de pouvoir travailler dans différents domaines, sur différents projets, avec différentes personnes, d'avoir vraiment de la diversité, et tout en travaillant sur des sujets de développement durable où je peux me sentir utile pour augmenter, accélérer la transition énergétique et environnementale. Et ce qui me plaît le plus à l'école, c'est de pouvoir avoir une ouverture d'esprit sur différents sujets, que ce soit l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie, des sujets que je ne connais pas en temps normal. Et donc, pouvoir apprendre en plus. Alors pour un jeune qui souhaite se former sur les métiers du développement durable, je lui dirais de foncer, de le faire, parce que je pense qu'en tant que jeune, on a vraiment une place importante dans le développement durable, qu'il faut qu'on agisse maintenant si on veut pouvoir avoir un avenir correct plus tard. Donc n'hésitez pas à vous former, à vous inscrire, allez-y. Je suis très contente de pouvoir partir l'année prochaine au Canada pour vivre une expérience à l'international où je vais travailler à l'Agence du développement durable de Montréal. J'ai vraiment hâte de découvrir une nouvelle culture et des nouveaux horizons suite à cette année à Lyon. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer cette année, que ce soit à mon alternance, à l'école ou mes copains de classe. Merci.